the Alps, climate change could make skiing a relic of the past. Warm winters and unreliable snow, now the new reality. The ski industry faces an existential threat. Adapt or die out. Vous êtes à Valloire, la station la plus au sud de Savoie, à la limite des Alpes du Nord et du Sud. Mon cœur de métier, c'est de faire face au réchauffement climatique. À nos latitudes et à Valloire, en dessous de 2000 mètres d'altitude, le ski n'a pas d'avenir. On observe que l'enneigement en dessous de 2000 mètres d'altitude est plus faible, plus difficile à tenir, en particulier sur des expositions sud. Et on observe d'autre part que si on a toujours du froid, les périodes de froid sont plus morcelées. Nos projets d'avenir consistent à ne plus investir qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Alors on abandonne une dizaine de pistes, on fait une translation de 20% de notre domaine qu'on abandonne à basse altitude pour le translater en altitude. De facto, ce sont des pistes sur lesquelles on a déjà renoncé à mettre de la neige de culture depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, sur le domaine du Galibier-Tabor, 60% du domaine bénéficie de la neige de culture et 40% n'a que la neige de culture naturelle pour skier. Le cœur de nos réflexions, c'est anticiper le réchauffement climatique. D'une part, pour maintenir le ski tant que cela est possible, et c'est possible à 50-60 ans, mais le développer, l'entretenir de manière raisonnable. L'investissement sera de l'ordre de 8 millions d'euros. Il y aurait une piste bleue, une verte, une rouge et une noire, dans une zone très enneigée naturellement, parce que c'est un ressac et un piège à neige naturelle, et qui a une viabilité à 30-40 ans, donc le modèle économique fonctionne. La SEM Valloire est en train de se transformer d'un exploitant de domaine skiable en une société de loisirs avec une multitude d'activités ludiques. Ces investissements-là, ce qui permet de faire réaliser. On a pour adage de dire le tout ski est fini, mais sans le ski, tout est fini. Up here in the mountains, the effects of climate change are brutally visible. In the Alps, temperatures have increased by 2 degrees Celsius since the 1900s, twice as fast as the rest of the globe. Future projections paint a bleak picture. If global temperatures rise by 2 degrees, areas available for skiing would shrink by 60% and almost 90% with 4 degrees of warming. Meanwhile, thick blankets of snow are becoming increasingly rare below 1,500 meters. Mid-range ski resorts are the first victims of snow shortages. Some 80 ski stations in the Alps could end up closing their doors by the middle of the century. And nationwide here in France, 168 stations, both small and big, have already gone out of business in the last 50 years. Those that survive will need to cover 40% of their slopes with artificial snow, the short-term solution to stay in business. Nous sommes au col de Porte, à 1350 mètres, juste au-dessus de Grenoble, dans les Alpes. Derrière moi, c'est un site expérimental d'observation de la neige, l'un des plus anciens en France, qui est géré par Météo France. Ici, au jour le jour, les techniciens, ils font des prélèvements, des carottes, des mesures, et ils vont ensuite étudier la forme des cristaux, comment ils s'agencent entre eux, et quelle est la cohésion du manteau neigeux, pour mieux comprendre comment il va évoluer dans le temps. Les observations réalisées par Météo France montrent qu'en moyenne montagne, donc à 1350 mètres d'altitude, depuis les années 60, la hauteur moyenne du manteau neigeux a diminué quasiment de moitié. Jusqu'à présent, la production de neige, elle a permis de minimiser l'impact de la variabilité sur les conditions d'exploitation d'un domaine skiable. Mais on sent que l'exercice, il est de plus en plus sous tension et que la raréfaction de la neige, elle commence à se faire sentir. Par rapport à la période actuelle, pour arriver à maintenir un niveau d'enneigement qui serait équivalent
à ce qu'il est aujourd'hui sans la neige de culture, il faudrait augmenter la quantité d'eau consommée pour la production d'environ 40%. Avec Météo France, on a développé l'idée de Clipsnow. Ce logiciel, il permet d'évaluer l'évolution de l'enneigement, de savoir où est-ce que ça va être intéressant de choisir de produire de la neige, puisqu'effectivement, la ressource en eau, elle n'est pas illimitée, on ne pourra pas produire de la neige partout pour ouvrir toutes les pistes. Le ski, s'il a un avenir dans certains lieux, sera forcément pratiqué sous des formes et avec des intensités moindres qu'aujourd'hui. La forêt est en danger ici parce qu'on est en plein milieu d'une future retenue collinaire. C'est un bassin de rétention où on puise l'eau, on siphonne l'eau pour l'acheminer dans les canons à neige et la pulvériser sur les pistes. Elle va faire 3 hectares, mais elle va impacter 8 hectares de paysage. Malheureusement, ici, on est dans une forêt qui est un sanctuaire de biodiversité. Il y a 58 espèces animales protégées, végétales, il y en a pratiquement tout autant. Le premier travail sera le dépoisement de tout ça, le défrichage. On pense que c'est tout ce qu'il ne faut plus faire. Est-ce qu'il est utile aujourd'hui d'enneiger plus, c'est ce qu'ils veulent faire, pour plus de pistes. On n'est plus à un moment où on doit conforter un modèle qui, dans 20-30 ans, n'existera plus. Alors, régulièrement, on organise des marches de sensibilisation. On a 56 000 signatures sur Change de personnes qui pensent que ce n'est pas une bonne idée. On est une coalition de 6 ou 7 associations ou fédérations qui regroupent énormément de monde, qui pensent aussi que c'est une très mauvaise idée. On a eu l'heureuse surprise d'avoir un coup de fil en nous disant que Extinction Rebellion venait sur site occuper pendant 15 jours afin que les pelleteuses n'arrivent pas. Il y a eu, on peut dire, une ZAD, 20-30 jeunes qui ont installé des hamacs en haut des arbres. C'était incroyable. Mais malgré tout ça, le projet continue. On ne laissera pas faire, il va falloir aller en recours. Le ski est une garantie économique pour la CUSA. Il est donc impératif pour nous de maintenir cette économie. C'est pourquoi nous devons absolument faire cette retenue collinaire. D'abord pour l'eau potable, et c'est une retenue d'eau potable qui servira à la population en cas de sécheresse. C'est nécessaire aussi pour l'agriculture, et puis bien sûr pour la neige de culture qui doit assurer notre enneigement sur les 30 années qui viennent. Sur les 148 000 m3 d'eau prévue, 50 000 sont prévus pour l'eau potable et 98 000 pour la neige de culture. Actuellement, les retenues collinaires nous permettent d'enneiger seulement 27% de notre domaine skiable. On est très loin de ce qui se passe ailleurs, entre 70 et 80%. Cette retenue nous permettra de passer à 45%. Cette retenue collinaire n'est pas une fuite en avant vers le tout-ski, bien au contraire. Il n'y aura pas de nouvelles pistes à la CUSA. Je vous rappelle que nous avons refusé l'agrandissement du domaine skiable. Le ski a encore de belles années devant lui. L'industrie du ski est encore très vivace. Je pense qu'elle est encore là pour une trentaine d'années au moins et que nous avons le temps, d'ici là, d'engager la transformation économique et touristique. On est tous skieurs, on adore le ski. On ne dit pas on arrête le ski et on ne fait plus rien. On se dit, est-ce que tout cet argent qui est investi, est-ce qu'on ne les met pas tout de suite dans une transition intelligente? Il y a une vraie question de fond de comment on entame la transformation du modèle après le tout ski. Shorter winters and continued snow shortages threatening the ski industry, a small station here in France wants to serve as a model for the future of mountain tourism. And skiing will no longer be the main activity here. They have a clear deadline to get there, transitioning away from the winter sport in the next 15 years. Notre position d'affirmer qu'effectivement le ski alpin il a une fin à un moment donné qui est peut-être plus proche que ce qu'on imaginait peut déranger.
C'est quelque part un tabou qu'on a brisé. Fin 2020, on a décidé d'anticiper la fin potentielle du ski alpin à l'horizon 2030-2035 et de se lancer tout de suite dans la transformation du modèle. Donc l'idée, c'est de passer d'une station de ski à une destination montagne, un territoire de montagne mis en tourisme. On a déjà des projets très concrets de valorisation de ces espaces naturels, de développer du produit de découverte nature, comme la randonnée, comme le VTT, sous toutes ses formes, comme le parapente, des choses relativement simples qui, par contre, méritent qu'on les enrichisse. Dans les activités qu'on souhaite développer, il y a aussi encore des activités quand même liées à la neige. La raquette, comme le ski de fond, qui sont des activités beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et qui nécessitent moins de neige, moins de moyens. Ces activités-là, il faudra toujours les faire perdurer aussi longtemps qu'il y a de la neige. Le VTT, etc. ne peuvent pas remplacer l'économie du ski alpin à l'échelle d'un domaine skiable. On a une économie de l'ordre de 35-40 millions d'euros générés par le ski alpin. Donc l'enjeu, finalement, si on veut garder ce volume économique, c'est de trouver 40% de retombées ailleurs qu'ici. On n'a pas le choix. Donc nous, le pari qu'on fait, c'est en s'engageant dès maintenant et en se donnant au moins 10 ans, on doit pouvoir compenser. La fin du ski, cette question est un peu radicale. Je dirais plutôt que c'est le début d'une nouvelle ère pour le tourisme en montagne. À partir de là, on voit l'importance du ski de manière très différente, de sorte à ce que même chez nous, la fin du ski alpin ne soit pas un traumatisme. Donc peut-être c'est la fin du ski, et alors ?